Scylla, ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par une nouvelle ville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle? On a fini les courses avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis? Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. Est-ce que tu sais marcher sur les mains? Tu imagines les possibilités? Gestion de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Je peux amener un pique-nique si tu veux. Je comprends mieux ce retour au calme. Je devrais te punir, ma fille. Mais vous êtes trop adorables, tous les deux. Scylla, ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par New Belleville. Et ça roule mal. Tu as trouvé... Jax. Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie Charles, mémorielle. Je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. On a fini les courses avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère. On en reparle demain, d'accord? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Tu imagines les possibilités? Possibilités? J'aimerais savoir faire ça. Gestion de la mémoire humaine. Tu as faim? Je comprends mieux ce retour au calme. Tu peux amener un pique-nique si tu veux. Je devrais te punir, ma fille. Mais vous êtes trop adorable. Quelle est ta couleur préférée? C'est les travaux du périphérique. J'ai été déviée par New Belle. A vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la piste. Son argument plus vendeur. Je te promets de m'en occuper dès qu'on est rentré à la maison. La maison. Jax est cassé pour de bon. Tu vois, ton robot va se soigner tout seul.
Nilin, arrête. C'est dangereux. Nilin! Oh Seigneur, qu'ai-je fait? Nilin! Nilin! Ma fille! Nilin. Ma fille. Pardonne-moi. Je n'ai jamais eu de don. J'étais juste une bonne élève. Tu étais son expérience, Nilin. Brise-le. Maintenant. Oh, Edge. Quel épouvantable gâchis. Stop. Nilin. Comment? Oh. Je vois. Tu as remixé le remixeur. C'est brillant. Tu dois tout arrêter. Papa. Les expérimentations. Les abus. Les mensonges. Le monde entier crève d'une overdose de souvenirs frelatés. Les horreurs que j'ai découvertes. Ça semblait parfait. C'était pourtant une bonne idée. Non, Charles. C'était une mauvaise idée dès la première seconde. Tu as utilisé ta fille comme cobaye. Ta femme aurait fini pareil si je t'avais laissé faire. Tu ne m'as jamais pardonné. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Parce que je t'aimais. Et parce que tu demeures un génie. Mais la guerre civile est là, Charles. La haine, la peur, les émeutes, la douleur. Tout ce que tu as toujours voulu éradiquer. C'est notre faute, Charles.
Arrête ça. Nous y sommes presque. Il faut couper les relais de flux à la source. Déconnecter H3O. Impossible de forcer ces systèmes de sécurité. Sauf... C'est maintenant. Sauf si toi et moi en autorisons l'accès. Ensemble. Et voilà. C'est pour ça que tu m'as envoyé les remixer. Eux seuls pouvaient fournir l'accès au serveur central. Frangine, à toi de finir le travail maintenant. Protocole d'accès à H3O. Validation vocale. En attente. Memorize. Hominis Evolution. Scylla, char, identité confirmée. Accès au serveur mémoriel autorisé. Tu es une Cartier Wells meilleure et plus forte que moi ou ton père. Je suis fière de toi, ma fille. Tiens, c'est pour toi. Je n'en ai plus besoin de tes souvenirs désormais. Quand tu étais petite, tu venais souvent me rendre visite en bas. Ces souvenirs t'aideront à trouver ton chemin. Merci. Papa. De rien, ma princesse. Nous t'attendrons ici. H3O va être déconnecté. On a réussi, Frangine. Tu vas réaliser en une journée ce que les terroristes n'ont pas réussi à faire en plus de 10 ans. Mais nous demeurons des hors-la-loi. Avec tes relations, je ne m'inquiète pas trop. Je vais enfin pouvoir te rencontrer, alors ? Oui. Suis les rémanescences que t'a données ton père, et tout sera terminé. Comment je vais faire pour déconnecter H3O ? Comme pour n'importe quelle machine. Edge ! Edge ! Edge ! Jax, dépêche-toi! Papa aime pas trop qu'on prenne longtemps par ici. Jax, ne me laisse pas toute seule. Je n'étais pas une petite fille très heureuse. Jax était vraiment ton meilleur ami. Tiens, te revoilà. Tu ne répondais plus. Je n'avais pas revécu tes souvenirs depuis si longtemps. J'avais presque oublié combien ils font mal. Comment ça ? Revécu ? Trop de souffrance, Frangine. Depuis trop longtemps. Tellement vide. Tellement vrai. Edge, tu me fais peur, là. Continue d'avancer, petite sœur. H3O doit disparaître. Ça suffit. Donne-moi la main. On va être en retard.
Me voilà revenu. Là où tout a commencé. Oui. C'est ici que tu m'as donné naissance. Tu ne trouves pas l'expression un peu abusive, frangin? C'est une question de point de vue. Quand as-tu compris? À l'instant. Edge et H, trois os. Ça m'a paru une évidence. Je veux vraiment mourir, Lily. Je ne t'ai pas menti. Qui es-tu? Vraiment. Je suis Edge. Je suis l'entité née spontanément dans la fosse putride où chacun a pris l'habitude de jeter ses souvenirs trop horribles ou trop douloureux. Je suis H3O. Mes premiers souvenirs sont les larmes d'une fillette. Je suis l'enfant de Memorize et son pire adversaire. Je suis le père des Leapers et leur fossoyeur. Je suis ton ami. Tu dois me tuer. Et si je ne veux pas? Tu n'as pas le choix, Frangine. Je vais te forcer à m'affronter. Et si tu ne gagnes pas, je te détruirai. J'ai peur. Moi aussi.